Salut à tous, alors c'est The Noé du 50 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le FAMAS Spring. Voilà, le FAMAS. Donc équipé d'un Red Hot évidemment, qui est ce FAMAS est à Spring, donc utilisé par l'armée française, enfin dans la vraie arme est utilisé par l'armée française. Et ils ont fait une réplique assez sympa. Donc évidemment là il y avait un canon et un silencieux mais je l'ai dévissé. Alors voilà le chargeur qui peut contenir à peu près 50 billes. Hop. Là c'est le hop-up à décaler ici. Hop. Un côté pratique du FAMAS c'est qu'il a deux systèmes de visée, le Red Hot et qui est là et le système de visée normal. Donc le FAMAS est à spring, se recharge comme ça, par le haut, et quand on tire ça fait... Donc c'est vrai, c'est sûr, c'est moins bien qu'un électrique, mais bon, j'ai que ça. Peut-être qu'un jour j'en aurai un électrique, mais pour l'instant, je me suis déjà acheté mon fusil à pompe que je vous ai présenté, le SAS-12. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, voilà. Vous pouvez toujours la regarder. Donc alors la sécurité c'est ici, ça nous empêche d'appuyer. Il y a un rail pour mettre une poignée, la crosse est pleine. On peut mettre le crosse, en fait on peut mettre deux systèmes de crosse, une de ce côté là et une de l'autre, et ça nous fait un peu comme un sac à dos en fait. Et sur les FAMAS électriques, le système de full automatique, semi-automatique et automatique, c'est sur le côté en fait. C'est ici, on doit décaler. Donc voilà. Je vais vous tirer un petit peu pour vous montrer. Et voilà. C'était le FAMAS, la réplique d'Airsoft du FAMAS. Et je vous dis salut à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.